ses seins, à sa époque de sépulture. Tout grand art est un art des tombeaux. À nouveau la vie murmure en moi, couché sur le dos face au ciel étoilé. Une santé jamais altérée soulève ma poitrine vers la navigation des astres. L'air de la nuit sèche mes blessures, mes cicatrises. Un instinct infaillible dicte ma conduite, accorde mon cœur à l'univers. Le hasard, ma rencontre avec ce lieu à l'écart des autres hommes, le silence ont déclenché en moi l'apparition de la joie en avance de 50 ans sur l'histoire humaine. Cette nuit, j'irai jusqu'à l'océan et j'emporterai ma voix. N'était pas si galvaudée en littérature comme ailleurs, on n'hésiterait pas à l'accoler au nom de François Augiéras. De 1925, date de sa naissance aux États-Unis, jusqu'à 1971, date de sa mort, dans la plus complète indigence à l'hôpital de Périgueux, il a mené une existence de nomade inspiré et écrit une poignée de livres qui célèbrent son aventure dans une langue nue et savante dont on dirait qu'elle épouse les élans les plus secrets du corps et de l'âme. Pour parler de cet homme vibrant, de ce poète, de la chair et des rêves, on ne saurait procéder par je ne sais quelle méthode critique. Contentons-nous, pour mieux vagabonder en sa compagnie, d'indiquer quelques repères sur la carte de l'univers qu'il traversa. D'abord, la terre de son enfance, ce Périgord de rochers et de grottes, ce Périgord des rives de la Vézère, où il revenait toujours entre deux voyages et où il termina le sien après un long séjour à l'hospice de Dôme. Ensuite, l'Afrique. L'Afrique du Nord, surtout. L'Algérie, où, jeune homme, il est allé rejoindre à El Goléa un oncle, colonel en retraite. Enfin, le mont Athos, où, en dépit de sa défiance du christianisme, il séjourna chez des moines orthodoxes. Ces trois lieux, ces trois passages sur la terre, nous les retrouverons comme les décors agissants de son œuvre. Pour l'Arabie, les deux premiers livres, « Le vieillard et l'enfant » et « Le voyage des morts ». « Le vieillard et l'enfant », dans sa première version de 1949, était signé d'un pseudonyme, Abdallah Chamba, ce qui intrigua pas mal de bons esprits, et notamment André Gide, qui était ce jeune arabe en train de raconter les expériences érotiques que lui faisait subir un vieux militaire au bord du désert. Une initiation à la fois désirée et haïe. En fait, il n'était pas arabe du tout, c'était un jeune écrivain qui, en transformant son oncle en vieillard sadique et les camarades de son âge en faune complice, rêvait ce qu'il vivait, rêvait ses mots la nuit sous les étoiles. Sa quête mystique le conduisit donc, plus tard, au mont Athos. Il retrouva sa vraie identité pour publier en 1970 un voyage au mont Athos, à l'opposé, on l'imagine, d'un ouvrage de prosélytisme. Entre-temps, il avait donné un livre de souvenirs d'apparence plus classique, une adolescence au temps du maréchal, et l'un de ses chefs-d'œuvre, l'apprenti sorcier, qui nous ramenait dans le Sarladais pour suivre un récit initiatique qui mettait en scène un prêtre bien peu catholique et un adolescent qui se laisse aller à la joie de l'instinct et à la fascination pour des rites sauvages. Le Périgord sera encore au centre de son œuvre ultime, Dôme, ou l'essai d'occupation, où il se décrira en homme vieilli avant l'âge, mais de plus en plus apte à saisir les signes d'une nature dont il semblait être le confident privilégié et le mage. Nous le verrons, ce texte capital sera refusé par tous les éditeurs et ne paraîtra que 10 ans après sa mort. Les thèmes chez François Augiéras ne varient guère d'un livre à l'autre. Joie des rapports physiques, vite métaphysique, goût de l'amour et de sa cruauté, désir de se fondre dans un paysage que l'on croirait sanctifié. Il s'agit de vivre ici
tout en se sachant une sorte d'étranger, et de ne pas oublier que la vérité, si elle sort de la bouche d'un éternel enfant, sera faite d'insoumission et d'extase, de brutalité et d'harmonie. Nous essaierons, dans le cours de cette émission, d'épouser la pente d'un esprit en perpétuel approfondissement de soi-même. On tournera souvent autour de la même idée, ou plutôt des mêmes images, parce que, répétées, elles acquièrent chaque fois une nouvelle beauté. Puisse cette succession d'impressions sur François Augiéras donner de lui un portrait intrigant. Nous interrogerons le témoin privilégié de sa vie, Paul Placé, des amis écrivains Jean Chalon et Michel Mardor, avec lesquels il a beaucoup correspondu, et un jeune cinéaste, Stéphane Sinde, qui lui a consacré un film. En écoutant, lu par Fabrice Eborard, quelques fragments de ses livres, on entrera dans un monde dont la réalité n'est pas limitée par le temps où il fut créé. Un monde si fragile et si dense, si lumineux dans son mystère, qu'il devrait s'imposer à nous comme un songe unique qu'aucun réveil ne parviendrait à détruire. Paul Placé a fondé l'association des amis de François Augiéras. Il a écrit sur lui un ouvrage, François Augiéras, un barbare en Occident, publié chez Pierre Fanlac en 1988. Il a été surtout son ami le plus proche pendant de nombreuses années. Il nous dit comment il a rencontré François Augiéras. C'était à Périgueux, j'étais à l'école normale. Et là, je ne l'ai pas rencontré directement Augiéras, mais je l'ai rencontré par le biais de Boyer, qui était un jeune garçon de 18 ans, qui peignait, et qui déjà, lui, avec Lotte, avec Guy Sellérier, connaissait ce garçon qui avait à peu près notre âge, mais qui avait une expérience du monde, des aventures et de l'univers artistique infiniment plus ouvert que le nôtre. C'est-à-dire, en Périgord, il y avait passé une partie de son enfance quand même, de sa jeunesse. Alors là, c'est très compliqué. Augiéras est né aux États-Unis, oui, en 25, au mois de juillet, alors que son père était mort au mois de mai. Sa mère est rentrée en France au mois de novembre de la même année et s'est établie à Paris, où elle a vécu quelques années, un logement rue de Rennes. Et à l'âge de 5 ans, la mère et François, le garçon, se sont rabattus sur Périgueux, où vivait une tante d'Augiéras. Elle avait une très belle maison à quelques kilomètres de la ville, et la veuve s'est rapprochée donc finalement de sa belle-sœur. Et Augiéras a été élevé pendant des années entre une mère neurasthénique, une tante, j'allais dire un peu frivole, enfin une tante fortunée, ce qui a beaucoup aidé Augiéras, et dans un milieu très ouvert. Oui, et lui-même alors a fait des études ou très peu ? Des études très peu, très oui. Peu. Il est allé à Saint-Joseph, l'Institut Saint-Joseph de Périgueux, dans lequel il est resté, il a fait ça 2 ans, jusqu'en sixième. À la fin de la sixième, il a essayé le lycée Lacanale de Périgueux. Là, il y est resté les 2 premiers trimestres et n'a pas terminé l'année scolaire. Donc on peut dire qu'Augiéras a terminé sa scolarité en 10 ans, en fin de cinquième. Mais on peut dire aussi que cette présence du Périgord que l'on retrouve, surtout d'ailleurs à la fin de son œuvre, curieusement, après les expériences nord-africaines, etc., l'a marqué durablement. Je veux dire que le Périgord, c'est aussi une de ses terres d'élection. Je dirais que, oui, j'allais dire c'est sa terre d'élection. Je ne sais pas s'il y a une primauté entre l'Afrique du Nord, la Mauritanie, les îles de la Grèce, le Périgord. Je pense que le Périgord est toujours passé en premier dans son esprit. C'est-à-dire que ce paysage s'est incrusté en lui, évidemment durablement, je dirais. On le retrouve partout et c'est sans doute enfant qu'il a eu cette sensation très particulière avec la nature. Je ne crois pas. Ah bon, très bien. Je ne crois pas. Je ne crois pas pourquoi. J'ai connu Augiéras alors qu'il avait un peu plus de 20 ans. Oui. Et pratiquement, sa connaissance du Périgord se limitait à l'abbaye de Chancelade, à l'abbaye de Merlande et aux collines de Champsevinel qui sont aux abords immédiats de Périgueux. Et il n'y avait pas la Vézère, tout ça, tout ce qu'on retrouve Vézère, après dans les la livres. La Vézère, oui. Le Sarladais, les bois de châtaigniers, les églises romanes, les falaises, tout cela n'a été une découverte que plus tardive, à partir de 48. Et disons qu'à 3 ou 4, en 47, 48, 49, on s'est mis à explorer d'abord les forêts, les églises du Sarladais, les fermes en ruines. Et la Vézère n'est venue qu'après, en 51, 52. Quand vous avez rencontré ce François Augiéras d'un peu plus de 20 ans, au fond, quel effet il vous a fait ?
Un effet fort. Oui, ça, j'imagine. Un effet fort. Augiras avait déjà une expérience très grande du monde. À partir de 1945, il avait parcouru déjà l'Afrique du Nord. Il y avait une liberté surtout, une liberté d'allure, une liberté de vie. Et de parole aussi Non, oui. Non. Au contraire, il restait assez secret par rapport justement à ce qu'il avait pu vivre et par rapport à vous ou à ses amis. Oui. Ça aurait été très difficile. Oui. Le secret pour Augiras était très vite ébruité, éventé. Il y avait à la fois une réserve et une espèce de volonté, de force, de poids qui l'entraînait. Mais si vous voulez, ce qui frappait, c'était sa liberté. Nous étions retenus par une éducation, par une famille. Augiras était... Il avait été libéré finalement en 1942-1943, avec son expérience du théâtre du Berger, qui pendant plusieurs mois l'avait baladé à travers le Massif central et le centre de la France. Je crois que ça avait été le point de départ de son émancipation. Je reviens encore sur ce mot de liberté, sa façon d'appréhender le voyage, d'appréhender les rencontres. Il y avait chez lui une richesse qui était absolument extraordinaire. Richesse de propos, richesse, et sa culture également était déjà très forte. Dès 50, une culture livresque, culture philosophique, culture artistique, il était vraiment déjà très très évolué. Vous saviez qu'il écrivait ? Oui, il ne s'en cachait pas. Très vite, j'ai été admis dans l'intimité de son travail en qualité de grammairien. Le mot est... Mais Augiras avait une peur énorme de l'orthographe et de la grammaire. Augiras avait une curieuse façon de travailler, surtout à partir de 51-52, quand j'habitais les Aïzis. Les phrases, il en battait la mesure. La phrase était mise au point, verbalement, en la prononçant, en la chantant, et ensuite elle était couchée sur le papier, et finalement il avait besoin d'une oreille, si vous voulez, pour essayer un petit peu le rythme des phrases. Et ça vous faisait quel effet, justement, ces phrases scandées? Émerveillement, parce que je me rappelle d'un jour où il y avait une petite pluie qui battait à la porte de la maison de l'Aurore, qui a joué un très grand rôle dans la vie d'Augiras. Pendant quelques années, une petite pluie battait au carreau et Augiras scandait, mesurait, mettait au point sa phrase. Et pour moi, si vous voulez, c'était assez merveilleux que de voir éclore la littérature. Il écrivait quoi à ce moment-là, le vieillard et l'enfant ? C'était le vieillard et l'enfant. À ce lit sur un toit, la nuit, je vois le matelas blanc sur les ressorts de fer et cet homme au-dessus de moi. Ma tête bat les barres de métal noir et peinte. La violence de la douleur et le poids de cet homme m'écrasent face à son visage. Mon corps a tout jamais brûlé, mes bras et mes épaules semblables à des charbons, mes yeux bleus, seuls, vivants et grands ouverts. Il aura bientôt son cri, mi-râle, mi-ululement de joie dans le silence de la campagne déserte, seules les cabanes des chrétiens, à 2 kilomètres d'ici, pouvant l'entendre. Et la dernière et merveilleuse pointe de ce râle où il analyse sa joie. Quand il en a fini avec moi, je vais sur mon toit blanchi à la chaux. Sur les réserves à outils sans toiture, comme des rayons de miel emplis de ténèbres, nul n'a désiré écrire autant que moi. Et quand j'ai sauté dans un de ces trous à bêches et à poutres et pris mes carnets dans un mur, mes mains errent sur l'argile craquelée du sol et devinent ma détresse à ce point du monde, touchent les murs peints en bleu. Mon esprit a tout jamais fêlé, marquant chaque page des carnets que j'ai écrits. Quand j'ai relu la nuit la plus brisée que mon corps et mon esprit aient vue, j'appuie ma tête contre une planche de ce fortin. Maintenant les grands nuages paraissent. Au nord, accroupi sur les cailloux des voies de chemin de fer, aveuglé par l'éclair de lune, à la craie j'ai commencé d'écrire sur les traverses. Et quelle langue est la mienne, les débris des phrases de cet homme brillant sur les rails. Cette nuit, lui aussi me regarde. Accoudé au matelas, il m'a photographié. Pour lui seul, je suis venu de la nuit. Cet homme devant qui je parais. Ma main touche sa tête, alors il se met à soupirer, à souffler grossièrement, ses lèvres tremblantes et froides s'efforçant d'atteindre ma langue, mais je la cache au fond de ma gorge. J'ai quitté pour lui les éternelles errances sur les collines de pierre, et ce soir, je suis debout sur son lit et il s'en fâche. Il s'élève contre mes façons avec tant de sottises, faisant état de son rang et de son âge, que j'en frappe le ciel noir au seuil de 10 siècles de guerre, d'embuscades et de ruses. La nuit est chaude. Cet homme seul, pensais-je, jamais ma tête n'a été plus habile à tuer, tout mon corps en est dur. Ne m'a-t-il pas dit,
Voici que je me livre à toi cependant que le poids de mon corps écrase ta poitrine. Le vent dans cette nuit quasi noire touche mes yeux avec la venue des immenses nuages blancs de l'Afrique. Mon corps n'est plus qu'une plaie aux blessures envenimées sur ce lit extérieur où je devine l'écriture. Ah, ma tête est humble, mais qui lira jamais les livres que j'ai écrits dans l'obscurité où je vis? Ils sont encore comme enfoncés dans le ciel noir et menacés quand ce ne serait que par ma mort. Mes lèvres n'embrassaient que les roches. Ce n'est plus que sur la photo qu'il a prise de moi que mon visage apparut, puis il l'a détruite. Et cette nuit, j'ai le désir de peindre. Et moi qui suis né des révoltes coloniales, je dois cacher ce que je fais, briser sur ce lit à ciel ouvert, la nuit étoilée rafraîchit mon visage. Si cet homme savait ce que j'écris, je serais aussitôt emprisonné et roué de coups jusqu'à en mourir. Le vieillard et l'enfant. C'était le vieillard et l'enfant, mais enfin c'est très compliqué. J'ai essayé d'en retrouver, d'en reconstituer la genèse. De 47 à 58, il a fait sans doute une douzaine de versions. Donc si vous voulez, en 51, 52, c'était ce qu'on a appelé les prépublications, ces livrets d'une centaine de pages qui furent envoyés à Brenner, qui furent envoyés à André Gide, sans doute à Camus, à Joindeau, à beaucoup de personnes. À Etiamble, je crois. Pardon. À Etiamble, à Etiamble également. À Etiamble un peu plus tardivement. Oui. Surtout à Yves Bonnefoy, oui, également. Qui ont tous été admiratifs de ces textes, d'ailleurs. Qui ont tous été très vite, très tôt pris par le ton, sans doute, le ton, l'espèce d'incantation, de pureté, d'ouverture. Mais ils ont cru que c'était un petit arabe qui l'avait écrit, ou non? Parce que là, il le signait donc sous un pseudonyme, Abdallah Chamba, et est-ce que certaines personnes n'ont pas cru que c'était justement aussi, ça pouvait se lire comme un livre sur la colonisation entre C'est aller plus loin, puisqu'on a prêté comme auteur au livre d'Augiras des noms comme André Gide et d'autres noms avec au moins autant d'autorité. Et ça l'amusait Oui, je pense quelque part qu'il en était flatté. Mais il avait pris ce pseudonyme pourquoi? Pour se cacher un peu ou... Je pense pour la sonorité, le contenu nomade, le contenu merveilleux de ce Abdallah Chamba. Ce sont des tribus berbères dans le sud saharien, du côté d'El Goléa. Et je pense qu'il y avait à la fois une admiration pour ce genre de vie, une admiration pour ces hommes, et le désir de se fondre dans ce milieu pastoral et nomade. Est-ce que justement quand vous avez lu cela, quand il vous l'a fait découvrir petit à petit, si j'ai bien compris, par des lectures diverses, vous avez été à la fois émerveillé, un peu choqué également, ou ça vous paraissait une littérature qui allait de soi? Parce que ça reste, même encore maintenant, un texte qui peut être dit assez audacieux quand même. Voyons, j'ai eu une toute petite aventure. J'étais à l'école primaire des Aïzi et j'ai eu la naïveté de prêter Le vieillard et l'enfant en 54 à la directrice qui m'a rendu ce livre au bout d'un jour ou deux, le tenant à peine serré entre deux doigts et horrifié. J'ai récidivé à un autre niveau 10 ans ou 15 ans plus tard, même oui, 15 ou 20 ans plus tard, prêtant ce livre à un prof de français qui était mon collègue au collège de la Boétie, et qui, lui aussi, m'a rendu ce livre. C'est très curieux, enfin, je n'ai jamais trop compris pourquoi il y avait cette espèce de rejet, alors qu'il y a très autre chose dans ces livres d'Augiras. À votre avis, ce vieillard et l'enfant dont vous avez pris connaissance à mesure qu'il se créait, est-ce que vous pensez que ça repose sur une réalité très vécue de la part d'Augiras? On sait effectivement qu'il a vécu auprès de son oncle en Afrique du Nord. Mais est-ce que vous voyez une part très grande du fantasme par rapport à la réalité ou de la rêverie? Je vais essayer de répondre, c'est très difficile, parce que fantasme, vécu chez Augiras sont tellement mêlés d'une manière tellement forte, tellement intime, qu'il est difficile de dégager clairement les parts qui reviennent à l'un et l'autre.
Oui, effectivement, il y a eu des aventures, mais il y a une part de Augiras touche à quelque chose et très vite le transforme, touche du plomb et en fait de l'or. Enfin, si vous voulez, une force de mutation, de modification, d'embellissement, de lyrisme font qu'il est bien difficile de faire la part de ces deux aspects. Jean Chalon est romancier et essayiste. Son dernier ouvrage s'intitule « Journal de Paris ». Il est publié chez Plon. Jean Chalon y parle de ses admirations, de Nathalie Barnet, de Louise de Villemorin et de François Augiéras. Ça peut surprendre car François Augiéras était aussi peu parisien que possible. Pourtant, une amitié est née entre Augiéras et Chalon au point que François Augiéras fit son testament en la faveur de Jean Chalon. Mais commençons par la découverte qu'a faite Chalon d'un des livres d'Augiéras. C'est très précis dans mon souvenir, c'était un jour de pluie du printemps 68, avant mai 68 évidemment. J'étais passé aux presses de la cité qui à l'époque était rue Garancière et Jacques Brenner m'avait donné l'apprenti sorcier qui avait paru chez Julliard dans une collection que Brenner dirigeait. Il m'avait dit que c'était un très beau livre. Et complètement anonyme, il n'y avait pas de nom d'auteur. Oui. Pas de nom d'auteur. Et alors là, je me vois très bien dans la cour, j'ai traversé la grande cour de la rue Garancière, j'ai ouvert la première page où il dit que c'était en Périgord, enfin... Premier paragraphe absolument magique. Sous le porche, j'ai continué à lire les deux premières pages. Je suis allé dans un café, j'ai lu la moitié de l'apprenti sorcier. Ensuite, j'ai pris devant l'église Saint-Germain-des-Prés le 95 et dans l'autobus, j'ai continué à lire l'apprenti sorcier. Et le soir, j'avais terminé l'apprenti sorcier dans un état d'exaltation et de bonheur extraordinaire parce que je trouve que c'est un très très beau livre. Alors, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai dit le lendemain à Brenner qui, pour calmer mon exaltation, m'a dit, mais écoute, c'est pas à moi que tu dois dire ça, c'est à Augiéras. Je dis, mais moi, jamais j'oserais écrire à Augiéras. Enfin, bon, il me dit, si, ça lui fera plaisir et tout. Donc, j'ai écrit à Augiéras, qui m'a répondu, monsieur, je suis content que vous aimiez l'apprenti sorcier, enfin bon. Et puis, une correspondance s'est engagée. C'était la dernière partie de sa vie. C'était la dernière partie de sa vie, puisqu'il c'était en 68 et il est mort en 71. Il m'a donné à lire Le Voyage au Mont Athos. Le Voyage au Mont Athos, qui a été encore deuxième coup de foudre, ça a été extraordinaire. Et je l'ai porté à Étienne Laloux, qui à l'époque était directeur littéraire chez Flammarion. Je l'ai porté un vendredi, et le lundi, Laloux l'avait lu, m'avait dit c'est extraordinaire, on le publie. Donc on a publié le Voyage au Mont Athos chez Flammarion. J'ouvris les yeux dans ma petite chambre de Coutoulou-Moussy. Le soleil brillait dans un parfait azur. J'étais jeune sur la montagne sainte, libre de la parcourir à mon gré. Je descendis gaiement dans la cour. La porte était ouverte, je la franchis. Un chemin partait à ma droite en direction de la mer. Il tombait en pente vive vers des skites abandonnés depuis longtemps. Une force rustique d'une incroyable intensité se dégageait de ces fermes en ruine, devant lesquels je passais d'un bon pas. Les barrières disjointes ne défendaient plus que des jardins revenus à la sauvagerie. Les lézards se chauffaient au soleil sur des tas de pierres écroulées. Les cigales chantaient dans les vieux oliviers. Des vignes folles montaient à l'assaut des treilles. Des fourches de bois, des faux se voyaient encore sur des seuils des portes closes que j'essayais vainement de forcer, tant ces humbles demeures reprises par la jungle exerçaient sur moi un fascinant attrait. Sur l'Athos, dès qu'on s'éloignait des monastères, la puissance de la végétation recouvrait tout. Ces fermes abandonnées, dont certaines à coupoles de pierre plate révélaient un sanctuaire, n'appartenaient plus qu'aux bourdonnantes abeilles, aux lézards, aux serpents. L'Athos, montagne sainte ou paradis des serpents, ou les deux à la fois. Je vis soudain, à l'ombre d'un figuier, une si longue couleuvre qu'elle devait être centenaire, et en un sens, compte tenu de son âge, aussi vénérable que les grands anciens qui régnaient à Cariès. De l'espèce dite couleuvre d'Esculape, elle avait bien 3 mètres et se tenait immobile près d'un bassin, m'observant. Était-ce le père de tous les serpents de l'Athos? Je crus voir en lui le grand serpent primordial. Il ne fuyait pas, n'attaquait pas. Sa peau 100 fois perdue et renouvelée chaque été avait-il atteint lui aussi la sagesse? Mais une autre sagesse ?
Il était beau. Ses écailles noires et vertes luisaient à l'ombre de l'arbre. Sa langue fourchue agitée sans relâche, il déroula lentement ses anneaux et disparut entre les basses branches. Mon chemin descendait toujours plus bas et devenait, parmi les hautes herbes vertes, une sorte de rue bordée de skites. Ces maisons de paysans sans femmes. Une porte ouverte. Je pénétrai dans une chambre pavée de briques rouges. Il y avait là une enclume rouillée, une roue de charrette, un lit tout brisé, des râteaux, un baril, un chapeau de paille. Je le pris sans remords. Une icône oubliée pourrissait contre un mur. Plus que Dieu, le grand serpent primordial hantait maintenant ces maisons mortes qui sentaient violemment le foin dont la puissante odeur appelait de grossières voluptés, elle aussi très antique, celle des jardiniers solitaires et des jeunes bergers. J'étais ivre de chaleur, de peur, de curiosité. Je sortis le chapeau à la main. La soif me tourmentait sous le brûlant soleil. Je vis un puits à côté d'une treille envahie de frelons, un seau de fer sur la margelle, une corde. Et j'aperçus mon visage reflété par l'eau calme de ce puits très profond. Qui étais-je dans ce pays sauvage où tout me rappelait qu'il ne m'était pas inconnu? Avais-je déjà bu cette eau glacée, délicieuse? Avais-je forniqué dans ces étables quand les galères de Byzance croisaient au large de l'Athos? La mer au loin scintillait. Des fragments de mon lointain passé me revenaient en mémoire. Je remis à plus tard de les rappeler tous, et je repris ma route, par des marches taillées dans le roc, m'en allant vers la mer inchangée, coiffé d'un beau chapeau de paille, torse nu, ma chemise jetée sur mon épaule, mon bâton à la main. Un voyage au mont Athos. Michel Mardor est romancier et metteur en scène de cinéma. Il a été aussi critique au Nouvel Observateur et il a fait en mars 1968 un article sur un des livres de François Augiéras, Une adolescence au temps du maréchal. Je l'ai lu avec, je l'ai dévoré même avec plaisir, et j'ai fait un article qui était persifleur, ironique, parce que Augiéras est un personnage qui était très narcissique et qui se savait narcissique puisqu'il a entièrement fait sur l'ego, sur le moi. Et donc je pointais des différentes phrases assez drôles dans le livre et je racontais un peu les anecdotes les plus piquantes. Et pour ajouter au piquant, je l'avais intitulé, ça, le titre était bien de moi, Le dernier amour d'André Gide. Et ça paraît dans le Nouvel Observateur. Et ça paraît dans le Nouvel Observateur sur une page entière. Il est évident que c'était un article assez, donc assez persifleur. Et il a pris comme une agression. Immédiatement, il dit, oui. Oui, il a pris comme une agression, mais en même temps, ça le piquait au vif, parce qu'il voyait bien que je disais des choses justes. Donc, il a dit que je lui rappelais les articles du Gaulois en 1880, que j'étais bien parisien. Et il faut rappeler que Augiéras détestait Paris et les Parisiens. Donc, c'était effectivement une riposte assez cinglante, et en même temps il était très excité par ce texte. Et notre correspondance a débuté là, parce que je lui ai répondu que je ne voulais pas du tout lui causer du tort, mais que j'avais remarqué certaines choses assez drôles. Et puis l'enchaînement a fait que pendant 2 ans, nous avons correspondu, nous ne nous sommes jamais rencontrés, je crois que c'est un point commun avec Jean Chalon. Vous ne l'aviez pas eu le désir? Très vague. Très vague. Je lui ai même suggéré de venir à Paris. Il a dit « Ah non, mais je n'ai pas d'argent pour venir, etc. » En fait, il ne voulait pas venir à Paris. Et moi, je ne désirais finalement pas le rencontrer. J'avais peur. Et l'un et l'autre, nous étions conscients que ça pouvait gâcher quelque chose. Il avait conscience que nous étions très dissemblables. Et il avait peur que cela rompe une amitié qu'il qualifiait lui-même de singulière, d'étrange, de mystérieuse. Il a employé tous ces adjectifs au cours de notre correspondance. Elle l'était pour vous aussi? Elle l'était pour moi aussi. Mais il faut dire aussi que l'univers d'Augiéras, au moment où j'ai lu son livre, touchait en moi des choses, même si j'ironisais sur lui, c'est la façon de l'exprimer, touchait des choses auxquelles j'étais sensible, c'est-à-dire le fantastique, une certaine révolte antichrétienne,
Il y avait différents paramètres, cette espèce d'errance, de fuite envers la société. Lui, il l'a réalisé, moi je l'ai rêvé. Donc il y avait aussi une rencontre, mais c'était une rencontre intellectuelle et nous étions conscients qu'il ne fallait pas la gâcher en entrant dans le concret, quoi. Parce que par exemple, Paul Placé, j'ai tout un aspect mystique que l'on trouve dans son œuvre, une espèce de mystique sans Dieu, on pourrait dire de mystique avec Dieu au pluriel. Est-ce que c'est des choses dont il parlait ou simplement vous le voyez présent dans les livres? Mais je veux dire, ce rapport assez extraordinaire et très intense qu'il avait d'une part avec au fond la chair de la jeunesse, si je puis dire, et d'autre part avec cette présence de l'univers, des étoiles, des rochers, de la nuit, etc. Là, je peux vous répondre avec plus d'aisance, plus de facilité. Oui, la présence de l'univers divin, c'est une expression qu'il avait souvent au bout des lèvres, était présente. Je pense à Augiras rentrant dans une chapelle. Il y avait immédiatement une sorte d'attention, de respect, de foi finalement, de geste qui était absolument sincère, qui montrait l'emprise du lieu sur son esprit, sur son âme. On retrouvait ce même état d'esprit dans la forêt, mais également près de la rivière. Et combien de fois Augiras a-t-il dit « la rivière, ma seule épouse ». Il y a pourtant, me semble-t-il, mais peut-être je m'avance un peu, un rejet, non pas définitif, puisqu'il y a le voyage au Mont Athos, mais un rejet quand même du monde chrétien, par moments. Je veux dire qu'il y a une sensation effectivement mystique à l'univers, mystique également à l'amour, enfin je veux dire aux jeunes gens, mais malgré tout, on a la sensation aussi de quelque chose d'assez archaïque, qui rejoindrait plutôt un autre type de religion. Peut-être encore à trouver aussi. Je veux dire, ça a l'air à la fois très ancien et très moderne. Oui, là. Et enjambant un peu le christianisme. Enfin, le christianisme, il y a quand même des choses qui, visiblement, ne lui plaisent pas forcément. Le rejet du christianisme est absolu. Il est absolu. Je n'ai qu'une petite anecdote pour faire comprendre la chose. On se promène aux abords du château de Comarque, un lieu dans le Saraladé qui reste encore très sauvage. Des scouts étaient passés par là, avaient dressé une croix, comme ils le font pour marquer l'emplacement de leur camp. L'endroit était connu d'Augiras, il était connu pour sa forêt, pour ses ruines, pour la rivière, et je vois Augiras abattant la croix laissée par les scouts d'une manière absolument féroce, d'une manière absolue. Stéphane Sinde a réalisé un film d'une demi-heure sur François Augiras. Son jeune âge l'empêche d'avoir correspondu avec lui, mais il l'a découvert par ses livres et il a été sensible à son rapport avec la nature. Lui-même, Stéphane Sinde, a voulu expérimenter cette solitude face aux éléments. Je suis parti dans mon tipi après Alès, donc au cœur des Cévennes, avec d'hommes ou laissés d'occupation sous le bras. Et j'ai dévoré ce livre d'Augiras, qui est son dernier ouvrage. Vous avez commencé par la fin, donc. Voilà, c'est le premier livre d'Augiras que j'ai lu. Et j'étais très impressionné par cet écrit, qui est très mystérieux, qui a un côté journal mystérieux, et qui résonnait, en fait, avec ce que je vivais à ce moment-là. Vous avez eu l'impression que vous aviez affaire un peu à un frère aîné, enfin un intercesseur par rapport à ce que vous viviez. C'est ça. Comme a pu l'être aussi Thoreau, l'écrivain américain, ou Dino Campana, ou des poètes italiens comme ça. Oui, donc c'est quand même pour vous d'abord le rapport avec la nature, la solitude de l'être face au ciel, face aux arbres, etc., à la forêt, aux rochers, etc. Oui, c'est une rencontre panthéiste avant tout. C'est une rencontre panthéiste avec les forces de la nature. Être seul face aux forces de la nature. Être seul face au ciel, face à une rivière. Jean Chalon. Ce qui me fascine le plus, c'est que je crois qu'il est arrivé à faire l'alchimie parfaite, l'amalgame parfait entre la réalité et l'imaginaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Par exemple, on rejoint le voyage des morts, j'ai une lettre, je vais à Marrakech, il me dit « Tu vas à Marrakech, c'est la ville où je me suis prostituée quand j'avais 27 ans ».
Bon, alors s'ils me le disent, je pense qu'ils ne mentaient pas. Et en même temps, ça rejoint le voyage des morts, où il se prostitue un cuisinier nègre parce qu'il meurt de faim et qu'il a besoin de nourriture et qu'il se prostitue pour de la nourriture. On dira, c'était très beau. On a des photos de lui, jeune homme. Il était d'une très très grande beauté. Et j'ai eu le témoignage d'une fille qu'il a connue quand il avait 16 ans. Il me dit, il a tiré tous les regards. Il me dit, il savait pas danser, il me marchait sur les pieds. Vous savez, il menait une vie de privation épouvantable. Il a vécu tout un été avec du thé et du pain. Il est mort à l'hospice. Il vivait avec très très peu, mais vraiment très très peu. Ce qui est quand même aussi extraordinaire, c'est qu'il a mené une existence qui, pour vous comme pour moi, serait effroyable. Or, dans ses livres, il y a le mot heureux et le mot bonheur qui revient toutes les deux pages. Je veux dire, quand il est démuni de tout, quand il est privé de tout, il a les étoiles, il a la lune, il a le soleil, il a le cosmos. C'est l'homme le plus heureux du monde. C'est quand même extraordinaire. Même à l'hospice, les dernières lettres, il me dit, je suis à l'hospice, c'est effroyable, mais j'ai trouvé un grenier où je me réfugie, où je suis bien, où je suis heureux. Il prononce encore une dernière fois, quelques jours de sa mort, le mot heureux. Mais ça, je crois que vous dites quelque chose de très important, c'est sa relation, en fait, assez complexe et en même temps presque naïve à la nature, aux forces telluriques, à la beauté du ciel étoilé, comme à la beauté des corps jeunes, comme tout ça est relié chez lui, dans une mystique qu'il est assez difficile d'ailleurs de définir. C'est une mystique sans Dieu, peut-être, et encore je n'en suis pas sûr, mais Dieu c'est peut-être la projection de soi-même. Ça, tout ça, les étoiles, les jeunes corps, et ça, pour lui ça forme un tout. Et ça va très loin, c'est pour ça que Dom est quand même un document extraordinaire. En fin de compte, Dom, il s'installe dans une grotte pour entrer en communication avec les étoiles, pour correspondre avec elles. Alors il se livre au rite de la Saint-Jean, du feu de la Saint-Jean, mais pas uniquement pour mettre des brindilles et pour faire un feu et pour danser autour. Ça devient un acte magique. Tout mon avenir à Dom dépend de la découverte d'une grotte. Je ne serai qu'un malade de l'hospice errant ici et là dans la journée, ou bien j'aurai presque un foyer. Les bêtes ont toutes leurs tanières. Il me faut la mienne. La pluie venue du fond de l'horizon commence à me frapper rudement. Je ne pense qu'à entrevoir au plus vite un abri, une retraite sûre. Je ne suis plus qu'un fauve cherchant un trou dans les rochers, sous une pluie battante, me laissant guider par mon instinct et sachant bien qu'il n'est pas de hasard. Au-delà des anciens moulins, les falaises s'effondrent dans les taillis et font place à une sorte de jungle. De vieilles murailles succèdent aux grands rocs. Une petite tour ronde retient mon attention. À l'extrémité des antiques défenses, peu avant que la végétation ne devienne absolument impraticable, un passage permet d'accéder à cette tour, sous laquelle, côté rivière, s'ouvre une étroite caverne creusée dans le rocher. C'est l'abri que je veux. Je m'y réfugie, trempé de la tête aux pieds par une pluie glacée. La grotte se révèle si basse que je ne peux m'y tenir debout. Je m'assois tout au fond. Je remarque cependant un sol sec et sablonneux, et que l'entrée de ce trou dans le roc se découpe merveilleusement sur le ciel et sur la vallée de la Dordogne, aujourd'hui presque invisible sous la pluie. Je n'espérais pas une retraite mieux située que celle-ci. Ouverte largement sur l'espace, 100 mètres au-dessus de la rivière, qui, vue de ses hauteurs, semble n'être qu'un très mince filet d'eau. Assis au fond de cet antre, mes bottes sales ramenées sous mes cuisses, mon pardessus mouillé de pluie serré contre moi par une ceinture de cuir, je donne libre cours à ma joie. Je pourrais venir ici chaque jour me préparer du thé sur un feu de brindille ou sur une lampe à alcool. J'ai un abri contre le soleil et la pluie, et devant les yeux, l'un des plus beaux paysages de cette planète. Dom ou l'essai d'occupation. Paul Placé, ce qui paraît curieux quand on voit les quelques photos qui restent au Géras, c'est que quand on le voit très jeune, il semble être un jeune homme en excellente santé, plutôt athlétique, enfin en bonne forme en tout cas. Et effectivement, il meurt très jeune finalement, un peu plus de 40 ans. Et là, on a la sensation déjà qu'on est presque devant un vieillard. C'est assez curieux. Est-ce que c'est, à votre avis,
la trajectoire d'une vie extrêmement dure ou autre chose? Là aussi, c'est compliqué. Je pense que chez Augiras, il y a eu la volonté de chercher un père. Il a cru le trouver chez son oncle, Marcel, au Sahara. Il a cru le trouver chez Bissière, Boissirette, le peintre. Et je me demande si Augiras n'a pas connu une espèce de mutation, à la fois biologique et mentale, passant de l'adolescence au vieillard par-dessus l'âge d'homme. Et il le dit lui-même dans une phrase qui est très belle, « Je crois au fond que je n'aurais été qu'un vieillard et qu'un enfant. » Ça me fait penser à une phrase du poète italien Leonardo Sinisgalli qui disait « L'homme du Sud ne vieillit pas, dès qu'il n'est plus enfant, il est déjà vieillard. » Et je me demande si c'est pas un peu aussi... Je crois que l'image est assez juste pour Augiras. Dans ses livres, en plus, on a quand même la sensation qu'il y a d'une part, effectivement, le monde des enfants ou des adolescents, et d'autre part, le monde d'une éventuelle sagesse ou d'une éventuelle cruauté, qui est le monde, effectivement, du vieillard, des vieux. Je pense qu'Augiras a connu ces deux pôles, les a vécus, et finalement s'est trouvé sans doute très à l'aise dans ces deux univers. Vous avez la sensation, vous, que, pour dire une chose un peu banale, il y avait toujours en lui une présence très rayonnante de l'enfance? Oui. La dernière, très très belle, est exprimée à travers des mots très émus dans le Dôme ou l'essai d'occupation avec l'image de Krishna. J'ai bien connu ce temps d'Augiras, ce temps d'un émerveillement poursuivi finalement. Krishna qui apportait des fruits à Augiras, Krishna qui recevait d'Augiras des bandes dessinées, un très jeune garçon de 12-13 ans qui venait directement du Portugal, qui ne parlait pas français et qui a illuminé, je dois dire, les derniers jours, les dernières semaines d'Augiras. Je suis revenu tôt ce matin à la porte des combes, bien avant le lever du soleil, et j'attends. Adam, je suis pour tous un étranger, un ennemi. Sauf pour un enfant qui est venu poser ses lèvres sur mes pieds et me donner des fleurs. Je voudrais être à ce soir pour voir si cela va continuer, ce témoignage de respect, d'humble tendresse. Et pourquoi ne le dirais-je pas dans ma détresse, de bonté pour moi? Je voudrais savoir aussi qui est ce petit garçon que je n'arrive pas à situer. Une race du Sud? J'ai pensé à un Algérien comme première hypothèse, sans plus. Il paraît venir de loin. D'Asie? Son geste hier au soir ne lui a pas été dicté par ses parents, si tant est qu'il en est. Ce fut spontané. C'est de lui-même qu'il est venu s'incliner devant moi. Le don des fleurs est bien de lui seul, une idée à lui. Comme tout acte humain, même chez un enfant, est soit un comportement acquis, soit une pulsion héréditaire, cela me ramène à la question, d'où vient-il? Un Vietnamien? Quoi qu'il en soit, ce troisième jour, à la porte des combes, je pense à lui, en restant sous le coup d'un immense étonnement et d'un bonheur profond, paisible, attentif. Il est d'une grande beauté de corps, de visage, d'âme, et aussi peu français que possible pour ma plus grande joie. Pas un Européen, un Asiatique. Je n'en sais rien. Je ne l'ai qu'entrevu à la fraîche parmi les ombres, car il ne vient qu'à la nuit, sauf aujourd'hui. Le voici vers les 7 heures d'un matin de juillet, très chaud, très bleu. Béni soient les lapins qui aiment l'herbe verte encore mouillée de rosée matinale. Sa faucille à la main, l'enfant la coupe doucement, en me regardant sans plus cacher sa curiosité, un attrait, une tendresse incertaine encore de n'être pas déçu. Je croyais qu'il ne venait que le soir. Il est évident qu'il vient aussi le matin, les lapins ayant bon appétit. Mais il est probable qu'aujourd'hui, il est descendu à la porte des combes plus tard qu'à son habitude. Et moi, le meilleur matin. L'un et l'autre dans l'espoir de nous voir au grand jour. Que pense-t-il de l'être imprévisible que je suis à ses yeux, assis à la place qui m'est accoutumée, à gauche de la porte? Une tasse de thé, des livres posés dans l'herbe, rigoureusement et immobile, dans la position du lotus, vêtu d'un pantalon de toile aussi bleu que le ciel, le buste droit, une épaule nue. Quant à moi, je commence à savoir ce que je pense de lui. Qu'il est difficile d'être aussi beau, aussi simple, aussi pur. Il montre une candeur absolue, une infinie grâce des gestes. Il y a chez lui un religieux silence, joint à une vive intelligence à l'état de nature. Une intelligence sauvage, toujours en éveil, sûre d'elle. Une parfaite réussite humaine,
ou divine. Un côté ange, une allure grave, souriante, non chrétienne, et je pense à nouveau asiatique. Il cesse de faucher l'herbe verte. Un beau tas rassemblé le prend dans ses bras. Il paraît maintenant m'ignorer. Il emprunte le sentier qui tombe vite en bas des combes et disparaît vers son jardin. Mais, en passant à trois pas de mes cuisses, il a posé devant moi, rapidement, discrètement, sa faucille. Et cela signifie, je vous la confie. Je reviendrai bientôt la chercher, vous voir. C'est un comportement vieux comme le monde, un langage symbolique, archaïque. D'instinct, il a deviné que je pouvais comprendre ce muet langage de l'amitié, de la tendresse filiale, de la confiance, ce geste de paix. Si je suis un étranger pour Dom, je n'en suis pas un pour lui, et moins encore un ennemi. Il est très pauvre, cela se voit. Un pauvre ne confie pas sa faucille au premier venu, à un inconnu. Mais suis-je un inconnu pour cette âme qui est l'incarnation même de la grâce, de la beauté divine et de l'amour à l'état pur? Il y a un côté miraculeux dans son entrée dans ma vie. Aussi ne descendrai-je pas le voir en son jardin, malgré l'envie que j'en ai. Qu'il agisse donc à sa guise dans ses rapports avec moi. Tous ses actes sont parfaits, d'une réserve, d'une pudeur exquise. En toute liberté qu'il vienne à moi s'il le veut. Je me demande même si le fait qu'il me voit toujours assis au même endroit sous un rempart, lisant, buvant paisiblement du thé, ne relève pas chez moi d'un désir de le rassurer, d'éviter absolument de l'inquiéter. Je veux qu'il sache que je suis toujours ici, parfois rigoureusement immobile, tranquille, et presque un arbre parmi les arbres. J'ai si peur de l'effrayer, de ne plus le voir. Il m'apporte tout d'un seul coup. Il renverse ma situation à Dom. Il me donne sa beauté, son âme simple, la destruction de ma solitude, la joie d'aimer et d'être aimé, l'espérance d'une réconciliation avec l'homme. Quel homme? Qui est cet enfant? Est-ce un être venu des premiers jours du monde ou d'un avenir prodigieusement lointain? Dans le vert paradis de la porte des combes, de retour de son jardin, il vient à moi sous un brillant soleil. Il s'approche sans ramasser sa faucille, car il serre contre son cœur une brassée de fruits qu'il dépose à mes pieds. Il s'agenouille, me gratifie d'un large sourire qui découvre ses dents blanches, saines et solides. Il est robuste, et de corps noirci par le soleil. Il demeure réservé, mais déjà plus libre. Il me regarde bien en face, en toute loyauté, presque d'égal à égal. Moi aussi je l'observe, ému jusqu'aux ultimes profondeurs de mon âme éternelle, en présence de cet humain divin, de cet ange qui m'apporte les plus beaux fruits de son paisible jardin. Il se saisit d'un fruit, le glisse dans ma main avec une force douce, insistante. Il l'enfonce profondément entre mes doigts. « Mange, me dit-il. » D'une main légère, il touche ma barbe. « Toi, très vieux ?» Soudain, j'ai envie de pleurer. « Non, je ne suis pas très vieux. » « Toi, très pauvre, seul ? Pas femme, pas enfant ?» Il montre le pied du rempart. « Toi, dormir là ? Non, je ne suis pas tellement pauvre. Et je ne dors pas ici. « Toi, malheureux ?» J'ai les yeux qui s'emplissent de larmes. J'ai franchement envie de pleurer. « Non, je ne suis pas malheureux. »« Tu es un dieu ?» Je n'ai pas répondu. Il s'est relevé, il a joint les mains au-dessus de la tête en s'inclinant, et il s'est éloigné sans oublier sa faucille. Dom. Michel Mardor, il y a quelque chose d'ancien qui doit être renouvelé et qui doit garder sa fraîcheur, sa spontanéité. Et je crois que c'est assez important, en fait. Il y a la sensation aussi que parfois, quand on lit Augieras, de lire quelque chose d'à la fois très moderne et d'aussi assez reculé. Et on peut penser que c'est un état de recherche de ce qu'André Breton, par exemple, aurait pu appeler l'état sauvage. Je veux dire, l'œil existe à l'état sauvage. Il me semble que la prose Augieras serait un peu dans cette catégorie.
Tout à fait, et il recherchait cela. Et en ce sens, c'était l'explication aussi de la matière brute qu'il voulait donner, matière brute dans ses peintures, et matière brute dans son écriture. Il m'a dit, à propos de ses textes, peu importe qu'il y ait des naïvetés, parce que je lui avais reproché sa naïveté. Je lui avais reproché des clichés, car il y a beaucoup de clichés, des tonnes d'adjectifs dans son écriture. Mais qu'il s'employait petit à petit d'ailleurs à supprimer. Hein. Oui, quand même. Il a allégé, mais il en est resté beaucoup. Simplement... Ce qu'on peut reprocher aussi de temps en temps, c'est un petit appel au poétique, si vous voulez. Quand il n'est pas forcément toujours inspiré, ça fait justement tout ce côté un peu étoile. Il y en a par moments un tout petit peu trop, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, mais là, je crois qu'il essayait de traduire quelque chose qu'il ressentait profondément. Il y avait vraiment un amour de la nuit, notamment, dont il parle très souvent. Et cet amour de la nuit... C'était l'amour du cosmos, l'amour du ciel, etc. Donc cela revient, mais alors effectivement, il peut faire n'importe quoi, même l'amour sur un rocher à Gardaïa ou je sais pas où, et tout d'un coup, vous avez un appel au ciel, un appel aux nuages, un appel à toutes les forces externes et une confusion des deux. Mais évidemment, cela paraît répétitif, mais en fait, c'est son ressenti de la vie. Il ne peut pas l'exprimer autrement, donc ce n'est pas du tout... Là, ce n'est pas un cliché, c'est effectivement ce qu'il a de mieux et qu'il sort à ce moment-là. Et il dit, tant pis si je vous parais bête, en somme. Oui. Mais bête, c'est d'ailleurs un mot pas innocent. Parce exactement, que... je suis également cette bête-là. Et on peut dire que tout ce qui est bête, c'est-à-dire tout ce qui est à sauvage, aussi bien l'amour physique que justement la présence du firmament au-dessus de soi, d'une certaine façon, pour lui, c'est sanctifié. Au fond, ce serait ça. S'il avait une mystique, ce serait celle-là. Je lui en avais d'ailleurs fait le reproche. J'avais écrit « Plus on aime les démons, les astres et les dieux, moins il faut jouer avec. » Et il me répond. Et notamment, je lui reprochais de s'être moqué du peintre Bissière. Qu'il avait connu. Qu'il avait connu. Et qu'il avait d'ailleurs aidé Berger comme il se doit. Bon. Et il dit, non, j'ai châtié Bissière parce qu'il se servait des signes du sacré sans y croire en esthète. Au contraire de mon effort. Jouer avec les signes du sacré est le grand péché de beaucoup d'artistes de ce temps. C'est dans ma propre destinée que j'ai tenté quelques pas vers le sacré, le plus souvent à travers une expérience érotique. Résultat, mes aventures, ma trajectoire intéressent plus que mes qualités d'écrivain, et ce n'est que justice. Stéphane Sinde. Il y a ce côté oriental dans la dissolution, du moi en fait, à travers la communion qu'il recherche à travers ses baignades nocturnes dans la Vézère, ses contemplations du ciel, dont son moi en fait explose. Mais c'est une quête, oui, sans confrérie, sans maître, sans gourou, sans dieu, mais c'est une quête du paradis perdu. D'un paradis perdu qui nous renverrait à une espèce d'état d'enfance quand même. C'est ça, c'est lié aussi à l'androgynie, à l'unité. Et Augéras est un être androgyne, très féminin et en même temps pleinement masculin. Paul Placé, François Augéras avait une idée sur l'organisation de son œuvre, sur la façon dont elle pourrait être abordée dans le futur. Et alors, curieusement, alors qu'Augéras, dans son testament, parle avec beaucoup de précision de ce qu'il souhaite pour ses livres, il ne fait allusion qu'à un seul, « Vierre et l'enfant », et ce livre, il voudrait le voir réédité dans les trois parties, c'est-à-dire les éditions de Minuit qui ont repris « Vierre et l'enfant », l'édition de 58, reprise en deux ou trois éditions par Minuit, dont ceci comme base, le chapitre El Goléa dans le Voyage des Morts et le chapitre Un printemps au Sahara dans la Trajectoire. Le seul vœu qu'Augéras émet dans son testament concernant son œuvre est celui-là, que ce vieillard et l'enfant soient restitués au travers de ces trois passages. Vous pensez que, au fond, si je puis dire, sa période Afrique du Nord lui paraissait plus exceptionnelle d'un point de vue littéraire que ce qui a suivi ? Je pense qu'il s'est beaucoup attaché à ce livre.
Et je pense que il a senti quelque part en lui qu'il avait donné le maximum, le meilleur, le plus unique de lui-même. Et c'est votre œuvre. J'aime beaucoup Le Voyage des Morts. J'aime beaucoup Le Voyage des Morts. Pour d'autres raisons, j'aime L'Apprenti Sorcier. Donc là, le Périgord, enfin c'est situé au Périgord. Oui. Oui, mais je pense que si je devais sauver un livre, ce serait tout de même Le Voyage des Morts. Mmh. Le Voyage des Morts avec des chapitres très beaux sur les hauts plateaux, l'Atlas marocain, l'Atlas saharien. Je pense que Le Voyage des Morts est celui dans lequel on retrouve le plus complètement Ogiras. Vous ne sentez jamais d'altérer, soulève ma poitrine vers la navigation des astres. L'air de la nuit sèche mes blessures, mes cicatrices. Un instinct infaillible dicte ma conduite. Voix de François Ogiras. Le hasard, ma rencontre avec ce Dieu à l'écart des autres hommes. Le silence ont déclenché en moi l'apparition de la joie. On avance de 50 ans sur l'histoire humaine. Cette nuit, j'ai commencé d'écrire en Afrique, la nuit, sur les toits de terre sèche. Cette volonté de survivre à travers une œuvre d'art, à l'occasion d'une aventure imprévisible, n'aurait eu en soi rien de dramatique si elle n'avait été le fait d'un être si primaire. Je n'étais rien, je ne savais rien, je craignais de mourir. J'appris le français, mot par mot. Ce premier livre fut écrit au nord de l'oasis d'El Goléa, dans des conditions d'une cruauté peu commune. Me sauvèrent le goût du jeu, une gaieté féroce un peu dansante. Et je ne voulus voir dans le thème du vieillard et l'enfant qu'un jeu barbare sous le ciel étoilé, qu'une admirable partie d'échecs. Au Sahara, j'habitais dans un fort. Sous la splendeur des astres, étais-je à tout jamais coupé des autres hommes? Devais-je survivre, atteindre mon époque? J'écrivais chaque soir à la lueur d'une petite lampe, désespéré, sans une réponse humaine. Je commençais d'être un artiste qui regardait le ciel, qui rencontrait l'éternel au plus profond de son destin, parmi les sables du désert. La flamme sereine de ma lampe approfondissait le charme des ténèbres. Dans le silence de la fin de la nuit, je conçus bien que l'aventure de mes livres en couleur, d'Afrique expédiée partout jusqu'à l'Océanie, serait un jour envisagée comme un trait d'une rare audace, comme un accord secret avec le monde, comme une agression autrement plus émouvante que l'art moderne agonisant. M'enchantait l'éblouissante cruauté de ma vie. J'allais vers la conquête d'un style. Qu'avais-je lu? Nietzsche, Sade, Rimbaud. Qu'avais-je vu? Le Musée de l'Homme. Si l'on veut bien se souvenir de cette pauvreté d'une part, et de l'autre considérer ma solitude en Afrique, l'on peut concevoir à quel point j'étais hors de l'Europe, au cœur même, sans le savoir, de la culture actuelle. Disons une expérience involontaire. Une équation aux données d'une simplicité jamais réalisée, aux conséquences dont l'orientation serait décisive. Pour moi d'abord. Si Le Vieillard et l'Enfant n'avaient été qu'un jeu barbare, Le Voyage des Morts devait être une conquête, la résolution de l'équation. Première préface au Voyage des Morts, 1979. Michel Mardor. Je vais probablement choquer les Ogirasiens, mais quand il m'a envoyé Le Voyage des Morts, qu'il avait publié à Camp d'Auteur 10 ans auparavant, en 1958, et que j'ai lu ce livre, pour moi j'ai pensé, évidemment on fait toujours la référence à Rimbaud, lui-même l'a pesé, et récemment un très bon recueil a paru, François Ogiras, une trajectoire rimbaldienne. Par Paul Placé et Signola. Donc, évidemment, on pense à Rimbaud. Lui-même évoquait Rimbaud. Mais pour parler de contemporain, je dis que c'est notre Kerouac. Alors évidemment, on trouve les Ogirasiens trouvent Kerouac très inférieur. Mais je parle de l'importance sociale, de l'impact littéraire. Kerouac a une influence énorme sur la littérature, ou la société, disons, une certaine société américaine. Et par conséquent mondial, Ogiras est pratiquement inconnu
du grand public français. Il est resté le marginal qu'il a été. Il est resté le marginal. En ce sens, il est plus pur, il est plus fort, et il n'y a pas de malentendu sur son compte, et je crois qu'il restera marginal. Mais revenons à cette période du Maghreb où il a une vitalité extraordinaire, où il a une vie érotique homosexuelle intense. Mais ce qui est fantastique, c'est l'espèce d'énergie vitale et de violence qu'il y a en lui, et de liberté. Moi, je reçois Le Voyage des Morts par lui, avec une dédicace où il dit « Votre mémorable raclée m'a ému », c'est toujours le fameux article. « Votre amicale sympathie me donne maintenant l'espoir de sortir un peu de ma solitude, demeurer plus ou moins en contact avec moi. Je vous en serai reconnaissant. » C'est toujours l'appel du pied. Hein. Et j'y ai été très sensible. Je lis le livre, je le découvre, et j'ai un choc. La dédicace est du 7 avril 1968. Je lis le bouquin immédiatement, mais j'ai fait mes 68 avant, parce que c'est le livre de la révolte, c'est le livre de la liberté. Il est plus fort que mes 68. Et à mon avis, même si mes 68 a eu une grande importance au niveau mondial, puisque ça a déchaîné des tas de répercussions dans d'autres pays, mais au niveau littéraire, intellectuel, c'était, quoi qu'il ait été écrit 10 ans auparavant, c'était vraiment le livre de la liberté totale. Et je dois dire qu'ayant lu ce bouquin, même les barricades me paraissaient fades à côté. Il y avait cette espèce de force dont les lanceurs de pavés ne soupçonnaient pas l'existence. Ogieras ne peut pas faire l'amour dans ces territoires du Maghreb, puisqu'il est allé dans plusieurs villes, sans avoir un pistolet à la main ou un couteau. Et ce ne sont pas des symboles phalliques. Trop facile à détecter. C'est tout simplement parce que sa vie est complètement en danger. Et donc, il y a cette espèce, n'allons pas chercher Eros Thanatos, non, mais cette espèce de pulsion sexuelle et de panthéisme, parce qu'en même temps, il invoque le ciel, la terre, le cosmos, etc. Et ce danger permanent, cette menace de la mort, qui donne une force à ces récits absolument extraordinaires. En même temps, l'écriture est d'une simplicité formidable. Après me l'avoir envoyé, il a relu. Il n'avait pas l'exemplaire, il avait demandé à un libraire de lui envoyer pour pouvoir me le dédicacer. Donc il relit le bouquin et il parle d'une écriture naïve et candide. Mais en même temps, il dit... La naïveté est ce qui préserve les formes. Et j'en suis convaincu. Il y a vraiment une simplicité dans ce livre. Moi, je ne vais pas faire des citations, mais je me souviens de phrases qui sont très simples, comme « Nous étions jeunes parmi les herbes vertes ». Ce sont toujours des adjectifs d'une simplicité extraordinaire. C'est leur rencontre qui est belle. Et quand il parlait de candeur, justement de naïveté, je crois que c'est très juste. Et effectivement, il y a une naïveté dans le style, mais qui correspond exactement à ce qui pourrait être aussi l'innocence de l'instinct et l'innocence du monde, on pourrait presque dire à l'aube de sa création. Au centre d'un immense cirque de pierre s'élève la ville de Gardaïa, le soir, gardée par des patrouilles armées de mitraillettes. Et j'aimais la musique arabe, et à l'entendre l'espérance de l'étreinte amoureuse. Rien n'est plus beau que l'amour. Rien ne s'élance plus loin. Non pas l'amour de tous les hommes, mais celui des compagnons d'aventure. L'amour naît près des feux. À l'extrémité d'une rue, à la sortie de la ville, presque au commencement du désert, je vis un garçon indigène, de haute taille, âgé d'environ 18 ans, avec de belles épaules rondes. Un feu nous séparait. Très pauvre. Il était calme et grave, avec des allures de nomade. Depuis longtemps, il m'observait. La nuit était chaude et belle. Je cherchais son regard. Il partit vers les roches. J'entrai avec lui dans la nuit. J'embrassai ses lèvres. Il ne me rendit pas mon baiser. Il me donna rendez-vous sur la crête assez lointaine, en haut du cirque. Par une admirable convention, nous y allâmes par des sentiers différents dans le chaos des roches. Bientôt, mes yeux habitués à l'obscurité ne virent plus que le ciel clair et l'immense colline obscure, chaude, encore dangereuse. J'allais plus avant sur les pierres. Arrivé à lui, le revolver à la main,
La joie de serrer mon ami sur ma poitrine, d'embrasser son visage, me fit oublier la peur. Il me rendit mes baisers avec tant d'amour que les larmes me vinrent aux yeux. Si Dieu existe, je le dirai. Voilà ce qui a été pour moi le comble du bonheur. Je n'ai pas craint d'affronter la mort pour faire l'amour ainsi. La volupté que tu avais mise dans nos corps, nous l'avons jetée sur tes pierres près des astres. Nous restâmes debout contre un rocher. Le pistolet de tir sur mon ventre scintillait dans la nuit. Sans rien dire, épaule contre épaule, nous regardions le ciel d'un noir océanique où naviguaient d'immenses nuages blancs. Il tira de dessous ses vêtements de berger un long poignard droit. Pour lui qui venait du plus lointain passé, étais-je un autre lui-même, mieux armé. Là-haut, je recommençais avec lui, nos hanches noires dévêtues contre la roche, dans la clarté de la nuit. Il partit. De pierre en pierre, je descendis, mon revolver à la main. Je rentrai en ville, où les fonctionnaires de la France, avec leurs femmes et leurs filles, aux joues vermeilles, regardaient près de moi les petites boutiques illuminées de la rue commerçante, où j'achetais du pain, une fiole de brillantine parfumée. Le désert était là, tout proche. Le silence des rochers et des sables. Et je m'appuyais contre un mur à l'angle de cette rue et du marché de Gardaïa. La seule lumière, venant de l'arrière-salle d'une épicerie, éclairait doucement mon visage. Je le vis. Nos regards se rencontrèrent. Puis il disparut dans la foule. Je dormis au marché au bois de l'autre côté de la ville, dans la senteur des feux, de la paille et des cendres. La tête compte une charge de cèdre dans la géométrie de la ville et du ciel. Je sortis mon pistolet automatique. Le métal noir luisait doucement. Le canon déjà piqué au contact de ma peau. Une arme merveilleusement équilibrée. L'idée même que je me faisais de l'œuvre d'art, une terrible puissance d'agression, de défense. Dans ma pauvreté, ce revolver était mon seul luxe. J'aimais tous les signes du XXe siècle quand la nuit les donnait à ma pureté émerveillée sous la lune et la perfection de certains objets assez faciles à se procurer. Les armes, les disques. J'embrassai l'arme, m'en retirai le chargeur. Une fête silencieuse, l'univers entier avec moi, hurlant le désir de l'amour. Le voyage des morts, Gardaïa. Son écriture est véritablement pleine de compassion et véritablement amoureuse. C'est une écriture pleine d'amour, mais pour la création prise dans sa globalité. Et peut-être plus tournée donc vers la multitude que vers une personne en particulier. Justement, dans ces rencontres charnelles, le mysticisme est proche aussi. Je veux dire, le mystique rejoint le charnel très vite. Oui, oui, oui. Mais je crois pas que ce soit une simple quête de jouissance comme ça, physique. C'est plus fort. Ça englobe en fait son amour pour aussi tous les éléments en fait, la nature et. Récemment, j'ai lu les quelques poèmes que nous a laissé Sandro Pena. Et je trouve que Sandro Pena, dans ses poésies, a vraiment une affinité de cœur avec Ogeras. C'est très étonnant. L'affinité, c'est peut-être aussi alors, ce que vous recherchez peut-être dans une œuvre d'art aussi. C'est une grande fluidité, une grande simplicité, oui. Un grand naturel à dire les choses finalement les plus complexes. C'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'écriture d'Ogeras n'est érudite, complexe. Elle est limpide, harmonieuse. Et c'est la magie du style en fait, c'est la magie de son style et on retrouve ça chez Sandro Pena aussi. Oui. Mais cette magie, vous appelleriez ça une célébration finalement du monde ? Oui, c'est une célébration, c'est une messe, oui, c'est une messe dite en secret. Pourquoi en secret ? Parce que c'est souvent seul, dans la solitude en fait, que cette messe se dit, dans le silence et... Vous pensez que c'est une œuvre essentielle pour notre temps, celle d'Ogeras ? Oui, absolument, parce que je pense que la génération des gens de mon âge, bon, je vais avoir 28 ans, même des gens plus jeunes, peuvent et doivent être envoûtés par Ogeras. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a un besoin de spiritualité, il y a un besoin
de retour vers la nature, vers le silence. Et je crois que l'œuvre de Géras gagne à être lue par tous ces jeunes gens qui se tournent peut-être vers des écrivains plutôt comme Thoreau ou les orientalistes comme, je ne sais pas, en France, Arnaud Desjardins ou je ne sais qui. Il faut dire que Géras est quand même, d'une certaine façon, beaucoup plus singulier. Par rapport à Thoreau, mettons, c'est quand même beaucoup moins théorique, enfin, me semble-t-il. C'est, oui, c'est moins social. La destinée d'un homme seul, c'est le désordre d'une seule vie et non pas une organisation de sa pensée vis-à-vis de la mystique, etc. Non ? Oui, il n'y a pas de projet social dans l'œuvre de Géras. C'est quand même un révolté aussi, bien qu'il soit en communion avec la nature, avec les garçons qu'il connaît, etc. Mais je veux dire, on ne peut pas dire qu'il accepte une vie sociale. Oui, c'est un vagabond. Oui. C'est un vagabond. Alors donc, moi je trouve que ce n'est pas si mal, sa postérité, c'est même très bien, parce qu'on ne peut pas souhaiter qu'un vagabond ait un assentiment général. Moi je crois que les jeunes qui liront Géras, parce que je crois que c'est effectivement un écrivain... D'abord pour la jeunesse qu'il faut lire très jeune, mais ce seront toujours des marginaux aussi, c'est aussi des gens qui d'une certaine façon disent non. On ne peut pas souhaiter, à mon avis, un assentiment général qui serait en grande partie le détruire, non ? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il pourrait devenir une icône de la jeunesse actuelle. Ce n'est pas incompatible. Jean Chalon. Il a beaucoup lu et il a surtout énormément travaillé. Le vieillard et l'enfant, par exemple, il en a fait 14 ou 15 versions. C'était un perfectionniste. Il tendait. Ce qui est extraordinaire, c'est que comme les grands, il emploie un vocabulaire très, très simple. Il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de mots précieux, je vous dis bonheur, des mots très, 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 très courants dans une phrase qui est très belle, qui est très harmonieuse, qui est très, quand on dit le style de Géras, le style de Colette, c'est très, très difficile à. Mais, je peux apporter un petit témoignage par rapport au vôtre, c'est que j'ai eu dans les mains, je crois l'avoir chez moi même, une des premières versions du Vieillard et l'Enfant, en tout cas la première qui a été publiée après celle de Fanlac aux éditions de Minuit. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Et puis, quelques années plus tard, il a réduit ce livre à une plaquette qui fait 50 à 60 pages. Et dans l'une de ses premières versions, j'ai de la main d'Augiras corrigé ce qui ne lui plaisait pas. Oui. Alors là, il est effectivement sans pitié, mais il fait tomber énormément de belles choses, je dirais. On ne sait pas très bien s'il est vraiment trop critique avec lui-même. Je veux dire qu'à un moment, la version la plus épurée n'est pas forcément la meilleure chez lui. Si on devait réimprimer Le Vieillard et l'Enfant, je voudrais qu'on le réimprime dans la version de 1958, qui est la première, après celle de Fendelac, la première édition aux éditions de Minuit, et qui, à mon avis, est la meilleure. Il a été un très très mauvais critique vis-à-vis de lui. Mais il était tellement... Pour me remercier d'avoir fait publier Le Voyage au Mont Athos chez Flammarion, il m'avait fait cadeau du manuscrit du Voyage au Mont Athos, qui sont des grands cahiers de comptable avec ça. Il a une écriture très lisible, très belle et tout ça. Et c'est très, très, très raturé. C'est très proche du texte publié par, il a très, très peu corrigé. Mais le texte, c'est très, très, il travaillait énormément avec des repentirs, il travaillait un peu comme Proust, vous voyez, toute proportion gardée avec coller des papiers, il revenait, enfin, tout ça. Non, non. Il était très conscient d'arriver à une certaine perfection. Est-ce qu'il était très conscient de sa place littéraire? Il se voyait dans une marginalité dont il pensait qu'elle allait toujours lui servir? Il a beaucoup souffert de sa marginalité. Mais il la revendique en même temps. Il la revendique en même temps et il avait conscience d'être François Augiéras. François Augiéras savait qu'il était François Augiéras et savait qu'après sa mort, il aurait une reconnaissance et même il aurait des disciples. Il aurait des gens qui suivraient sa ligne. De temps en temps, je reçois des lettres de gens qui le considèrent comme un maître. Et vous-même, maintenant, après quand même pas mal d'années, depuis la disparition d'Augiéras et depuis le moment où vous avez découvert, est-ce que vous avez sensiblement changé dans l'appréciation de son œuvre ? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, ça c'est extraordinaire parce que mon admiration, nous sommes en l'an 2000, et mon admiration du printemps 1968 n'a pas changé. Comme elle est très grande, elle ne peut pas augmenter. Mais c'est pour moi une œuvre absolument à part. C'est pour moi un grand auteur du XXe siècle. Je pense que c'est un des auteurs du XXe siècle qui resteront. Beaucoup plus que tous ces auteurs dont on a tellement parlé.
Et aujourd'hui, quand vous relisez ces livres, vous les relisez par fragments ou il vous arrive de tout reprendre d'un coup, Michel Mardor? Non, je lis par fragments et d'ailleurs, ce sont des fragments qui se dilatent parce que les amis d'Augiras parviennent à publier des inédits de temps en temps et il y a eu notamment le livre que je citais sur une trajectoire rimbaldienne où se trouvaient de nombreuses pages inédites d'une adolescence au temps du maréchal où il raconte justement beaucoup d'événements de son enfance, de sa jeunesse, et c'est très intéressant. Et là, son écriture est très mesurée, elle est très soignée. Moins lyrique alors. Moins lyrique. Oui. Et ce n'est pas du tout Laugiéras qui jette sur le papier ses sensations, il y a vraiment une réflexion sur lui-même. En fait, il pouvait avoir plusieurs styles. Ah, mais c'est un lucide féroce. Les gens qui l'ont rencontré, qui lui ont parlé, disaient qu'au contraire, dans son approche des individus, il était capable d'être très cruel, mais très cruel de perspicacité. Non, ce n'est pas seulement un rêveur. C'est un homme qui a vraiment le sens de la psychologie des êtres et qui sait les pénétrer. Vous avez l'impression que c'était quelqu'un qui, à partir du moment où il s'est mis à écrire, avait déjà beaucoup lu. Alors évidemment, il y a quand même une influence gidienne évidente qui correspond aussi sans doute à beaucoup de gens de sa génération. Mais vous voyez d'autres choses, alors peut-être Rimbaud, etc. Lui, il prétendait avoir lu surtout les écrivains anciens. Comme également, il disait qu'en peinture, Braque, Matisse, etc., cela n'avait aucun intérêt, aucune influence, et qu'il fallait revenir aux totems, aux icônes très anciennes, aux sculptures africaines. Oui, ça correspond d'ailleurs à ce qui est aux origines. Oui, son idée est toujours de revenir aux origines. Une idée assez archaïque. Mais cette façon de vivre d'Augiras, alors, si je puis dire, dans la vie courante, c'est, d'après ce qu'on en sait, une succession de voyages, d'une part, et puis du fait que quand il n'est pas dans le Périgord, il vit un peu chez les uns, chez les autres, un peu au fond, on dirait aujourd'hui, un peu en parasite. Ah oui, mais ça, je crois qu'il l'a revendiqué continuellement. Ça ne le dérangeait pas. C'était une revanche à prendre contre, justement, l'organisation sociale, à votre avis? Ah, tout à fait. Mais je trouve cela très bien, je dis fermement. C'est en ce sens que, quand je lis Le Voyage des Morts, où il fait les 400 coups et il abuse de tous les moyens que la petite société peut mettre à sa disposition, notamment la société française en Afrique du Nord à l'époque, j'estime qu'il a absolument raison. Un artiste est fait pour vivre en parasite sur la société. Et là, maintenant, on n'ose plus dire des choses pareilles. Je suis désolé. La société est là pour ça. Il faut lui manger la laine sur le dos. Mais vous, Paul Placé, qui l'avait connu au moment où il commençait à écrire, et donc qu'il avait suivi tout au long de sa vie, vous continuez, je suppose, à le lire. Et bien des années après sa mort, est-ce que, en vous, ces lectures ont évolué? C'est-à-dire la manière de les, oui, de les recevoir. De les recevoir. Je dois dire que, me promenant à la Madeleine, ce sont des rochers prodigieux, des abris, des habitats préhistoriques, et avoir en tête quelques phrases d'Augiras, je pense qu'il y a une résonance qui ne s'est en rien réduite, ni usée, ni fatiguée. Je pense qu'Augiras est toujours aussi fortement présent et vivant. Quand il revient, il revenait souvent, mais je veux dire, quand vous l'avez connu justement à la fin de sa vie, quand vous l'avez rencontré très très souvent en allant le voir à Dôme, est-ce qu'il avait la sensation que c'était un écrivain qui était à sa place ou que, au fond, c'était l'avenir qui dirait son exacte trajectoire? Je crois que Augiras a beaucoup souffert, finalement, d'aucune reconnaissance. Le vieillard et l'enfant... Oui et non, parce que le vieillard et l'enfant, ça a quand même été reconnu par ses pères, puis des pères qui étaient des gens très célèbres. Alors, évidemment, pour le public, ça, c'est autre chose. Mais enfin, vous savez qu'au fond, le public ne reconnaît assez rarement les vrais écrivains de leur vivant. En revanche, et on a la sensation qu'il n'était pas entièrement isolé d'un certain monde littéraire qui était... peut-être. Alors, le plus c'est important. Vrai, mais là, il faut dire que Augiras entretenait avec beaucoup de difficultés les relations dans la durée. Si j'ai pu m'installer de 48 à 71, je crois que je dois être à peu près le seul à avoir suivi d'une manière très proche Augiras. Il s'est retrouvé en 71 totalement
méconnu, ignoré, alors oui, de la poignée d'intellectuels parisiens. Mais il savait qu'il avait quand même quelques amis fidèles, parce que ce qui me frappe dans la postérité d'Augiéras, c'est qu'au fond, d'année en année, le nombre des lecteurs d'Augiéras ne s'accroît peut-être pas d'une manière extraordinaire, mais en revanche, il y a toujours un renouvellement de jeunes lecteurs et qui font que Augiéras est plus présent finalement en librairie que beaucoup d'auteurs qui pourraient paraître moins marginaux. Très heureux de cette question et de la possibilité. C'est même pas de une question, c'est une constatation. Un constat. Augiéras. Oui. Alors cette association qui vit ou vivote depuis quelques années, me donne tout de même la preuve que le lectorat d'Augiéras n'est pas fort, mais chaque année, il y a 2, 3, quelquefois 5 contacts de jeunes qui découvrent les livres d'Augiéras, sont séduits et veulent en savoir davantage. Et je reçois donc ces contacts d'abord par lettre. Assez souvent, ces personnes viennent passer une semaine au mois de juillet, au mois d'août, en Périgord, pour retrouver. Alors, on veut connaître Augiéras, on le connaît dans ses livres, et on veut le connaître à travers le paysage dans lequel il a vécu ces dernières années. On veut le connaître en direct, si vous voulez, ou presque, aux Aizis, à Dôme, à Montignac. Et le lectorat d'Augiéras reste à la fois très sélectif, très, comment dire, restreint, mais très fort. Le sentier au bord extrême des falaises devient un étroit passage taillé dans la pierre. Je ne risque pas de tomber dans le vide, à condition de marcher prudemment. Le vrai danger pour moi, c'est de profiter d'une occasion de mettre fin à une existence qui tourne au calvaire. L'endroit convient pour se tuer. Les falaises de Dôme en Périgord, ici, dominent en à pic les eaux de la paisible Dordogne coulant 150 mètres plus bas. Le cœur rompu et la santé ruinée, je me vois à 40 ans seul, incurable, indigent, admis dans un hospice. Mieux vaut mettre un terme au plus vite à une destinée devenant parfaitement atroce. Avant de quitter l'hospice, je me suis regardé dans une méchante glace. Un masque d'homme âgé couvre mon visage. D'autant que je me suis laissé pousser la barbe depuis quelques années. La détresse fait de moi un vieillard, un malheureux. Cependant, je ne saute pas dans le vide. Et qui m'observerait d'un peu près verrait, non sans étonnement, un bien curieux sourire effleuré sur mes lèvres. Je franchis donc ce mauvais pas et je continue de m'éloigner de Dôme. Ma fin lamentable, bien étrangement, ne me plonge pas dans un grand désespoir. Ce malade au cœur usé, ce n'est qu'une affaire de maîtrise psychosomatique. Et l'on peut tout simuler. Cet indigent, quel masque! Les façons, fussent-elles bizarres, d'un incurable en hospice, éveilleront assez peu l'attention. Car nous devons dissimuler nos efforts, nos recherches. Le temps est venu de l'agression délibérée contre l'homme. Une agression? Dans l'immédiat, la secrète occupation de plusieurs points du territoire. Et la soudaine apparition, très discrète, d'une civilisation différente. La nôtre. Peu nous importent les droits de l'homme. Nous revenons sur cette planète bien décidée à y vivre comme bon nous semble. Elle est belle, elle est verte. Et nous l'aimons. Quelque chose se passe hors de l'histoire connue. La mise en place d'une civilisation venue des astres, à l'insu des humains. François Augiéras, 1925-1971, avec la participation de Jean Chalon, Michel Mardor, Paul Placé et Stéphane Sinde. Texte lu par Fabrice Eberard. Équipe technique, Christian Fontaine et Stéphane Desmond. Réalisation, Marie-André Arminot. Une émission de Christian Julicelli.